ça correspond avec mon 60e anniversaire, c'est 2012, donc j'ai 60 ans, et je rencontre Robert Belot afin de fêter ça dignement avec ma ville natale, donc, qui est Belfort. Moi je suis juste à côté à Essert, mais bon, c'est Belfort où j'ai passé toute mon enfance. On se décide, c'est-à-dire qu'on fait avec Jean de la Lune l'ouverture du FIMU. Et ça se passe très bien. Et donc Robert me dit, bon, il faudrait qu'on se voit, un C4. Il me parle de Léon Debelle. Il me dit, voilà, l'année prochaine, ce sera 2013. Et 2013, c'est la commémoration de la mort du poète Léon Debelle. Et là, je découvre réellement, quelqu'un de très intéressant. C'est-à-dire, c'est riche, c'est en même temps quelqu'un d'ouvert vers les autres arts, qui fait de grandes rencontres, Apollinaire, Varès, qui est quand même le mentor de Pergaud, donc c'est pas n'importe qui. De Notre-Dame de la Lune. Donc, Debelle, fort intéressant parce que ça va être un opéra rock en français. Le rock progressif a tendance symphonique pour nous. C'est vrai que c'est une musique très riche. Peu commercial, c'est clair, je comprends tout à fait la difficulté des gens, parce que les gens ont beaucoup de mal déjà maintenant à faire tout ce qu'ils ont à faire dans une journée, et écouter un titre de 7 minutes devient une gageure, ça devient très difficile, mais je pense quand même il reste encore des mélomanes, heureusement, il y en a encore, et pour ces gens-là, c'est vrai que c'est une musique riche, parce que on aborde toutes les formes de musique, on aborde le classique, on aborde aussi le jazz, on peut aborder le rock à l'état pur, le rock basique, contemporain, musique contemporaine. On peut aborder toutes sortes de musique. Et je me suis attaché aussi à y amener le côté français, c'est-à-dire le côté d'amener un accordéon, par exemple. C'est parce que depuis qu'on a refait, j'ai fait Jean de la Lune, je suis réintégré dans ce circuit de la progressive musique, qui est un circuit énormément riche d'artistes. Privé de Gougloff, ce soir tu seras privé de Gougloff. C'est, en même temps, c'est un rocker. Si on regarde bien, un type qui rentre pas dans le moule. Il développe ça par les poèmes, parce que c'est son truc, c'est sa passion. Moi, je l'ai développé différemment pendant des années avec la musique, et maintenant je le développe aussi par les poèmes, puisque ou les textes. On attend de lui parce que il est bachelier en 1900. C'est être bachelier, c'est être promu à un avenir à l'armée, qui est, c'est au moins sous-officier, et voilà. Et lui, non, il n'en veut pas de l'armée, il est anti-militariste à fond. Pour moi, le choix est simplement théâtralisé, c'est-à-dire qu'on prend les membres d'un groupe et on va leur donner des personnages. C'est un peu cette volonté d'être intemporel avec des personnages qui sont en décalage, mais sur une vie réelle, qui part d'un point A et qui
Y va Z, mais j'ai voulu en même temps que cette vie, en fin de compte, quand on regarde bien, c'est une énorme bulle. C'est-à-dire que bon, ça part comme ça, et, hop, et on arrive au bout, et elle se rejoint, puisque quand on prend le texte, c'est tout à fait... j'étouffe, je crie, je pleure, je vis, et là, c'est, j'étouffe, je meurs. Mais c'est exactement... Il a rejoint le cercle, voilà.